J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous reviens donc pour la deuxième vidéo à la suite. C'est donc le All Knows. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, ça par contre, je ne l'ai pas parce que c'est du surgelé, donc c'est déjà au frais quoi. J'ai acheté un sachet, alors ils disaient pas exactement la grandeur, enfin combien il y a de kilos ou de grammes, ou je sais pas. Enfin, c'est un sachet comme ça de stick de mozzarella. Il n'y a pas vraiment de marque. Hein. Et j'ai payé ça 3,59€ ou 3,99€. Enfin, ça valait vraiment le coup parce qu'en principe, quand vous allez même à Lidl ou Aldi, ou enfin, des discounters vraiment pas chers. En principe, c'est vous avez 10 sticks qui se battent en duel dans le carton et vous payez ça 2 euros et quelques. Donc je trouve que franchement là, ça valait le coup. Voilà, voilà. Ensuite, pour ma pépette, j'ai trouvé un petit sac en bandoulière. La Reine des Neiges. Voilà, donc il est tout joli. Là, il est tout rose blanc et j'ai tout mis dedans. On a payé ceci 2,99 euros. On l'a trouvé à Castelnaudary. Voilà. D'ailleurs, tout vient de Castelnaudary. J'avais pas fait nos à Castres, par contre. On a pris un petit gâteau de 200 grammes. C'est de la marque Piccolina. C'est Stracciatella. Voilà. Ah non, c'est pas la marque Piccolina. C'est le gâteau qui s'appelle comme ça. Non, c'est la marque Gusparo. Voilà, voilà. Donc 200 grammes. Ouais, j'ai noix de fourrée, parfum, lait, chocolat. Voilà. Pardon, et j'ai payé ceci 89 centimes. Ensuite, à 99 centimes, des Kinder, vous savez, les Kinder, les bâtonnets là, au chocolat. Donc, je trouvais ça vraiment pas cher. Il y en a 8 dedans pour la pépette. Ensuite, je lui ai trouvé, alors ça c'était, je sais plus, le prix n'était pas dessus, 75 centimes. Ce sont des petits tatous, la Reine des Neiges, pour lui faire plaisir. Voilà, il y a des petits cœurs, je sais pas trop ce qu'il y a après. Pardon, excusez-moi. Mais bon, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, alors, il est génial ce truc. Mais alors, il n'arrête pas de remonter. C'est une horreur. Ensuite, pour 1,29€ de la marque Le Petit Friquet. Original. Un assortiment mix gélifié lisse, donc de 500 grammes. Je trouve que franchement, vous voyez tout ce qu'il y a. 1,29€. Quand on a des enfants, je trouve que c'est vraiment très très bien. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai trouvé des petites bouteilles de citron, de jus de citron. Donc en 200 ml, c'est Limochef. Et j'ai payé donc ceci 55 centimes. Donc du coup j'en ai pris deux, parce que ça on en a toujours besoin, on fait du poisson, enfin voilà, pour tout, même pour le boire, pour, voilà. Voilà, voilà, et alors ensuite, ce ne sont que des crèmes, des soins, j'ai pas trouvé de maquillage cette fois-ci, ni de, bizarrement, ni de, je vais y arriver, ni de boucle d'oreille, rien du tout, franchement, à Castelnaudary, c'était vraiment... Puis même tout ce qui était à 80-50%, c'était franchement pas top du tout. Ouais, moi qui en principe j'aime bien celui de Castel. Là pour le coup j'ai été déçue. Enfin au niveau soins non, proprement dit. Mais après pour le reste, ouais, je m'attendais à mieux quoi. Surtout que j'avais vu la vidéo de Fashion Barbie, avec des jolis petits sacs et tout. Je me suis dit, je trouverais peut-être la même chose, qu'il y avait beaucoup de choses à pour les créas, pour les... J'ai rien trouvé. Enfin bon, bref, hein, on va pas non plus épiloguer sur le sujet, c'est pas grave. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé un beurre de cacao hydratant et nourrissant en 200 ml, qui sent super super bon. Et donc, j'ai payé ça 1,99€, pardon. Il sent... divinement bon, ça sent vraiment bien le chocolat quoi. Donc c'est de la marque Cyclax. Je ne connais absolument pas cette crème. À voir. Voilà, voilà. Ensuite,
de la marque. Alors attendez, parce que. Je sors tout. De la marque I Love. Vous savez, les beurres corporels. J'ai trouvé le Raspberry. Je ne sais pas parce qu'ils ont mis la grosse étiquette devant. Voilà. Donc c'est la rose. Je ne l'avais pas celle-là. Je ne l'avais jamais. Non, je n'avais jamais fait une vue. Donc trop contente de l'avoir trouvée. À 1,99€. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai tellement d'avance. Donc je préfère la garder. Voilà. En 200 ml. Donc un beurre corporel. Très bien. Moi j'adore ça. Sa sortie de la douche, là, ça hydrate bien, ça sent bon, j'adore ça. En ce moment, je mets la Dove Revitalisante. Alors, je vais un pot de comme ça, là, énorme. Donc, j'ai du mal à le finir. D'ailleurs, quand ma pépette prend la douche, c'est pareil. Après, je la lustre, quoi, avec. Elle adore, c'est vrai qu'elle sent super bon, par contre. Le Dove, j'adore cette marque, d'ailleurs. Je vous le dis à chaque fois, mais je le redis. Ensuite, ah, mais de la marque Cyclax, là aussi. J'avais pas vu que c'était la même marque. Donc c'est une crème à l'aloe vera et au coconut. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors on va essayer de voir l'étiquette d'Endonose, même si des fois elle n'est pas très fiable. Crème revitalisante, 300 ml. Une douce crème avec les effets adoucissants et hydratants de l'aloe vera et de la noix de coco. À utiliser afin de soigner la peau sèche et la desquamation. Vous pouvez l'appliquer sous votre visage, non, sous votre maquillage, d'accord, pardon, d'accord. Bon, on va tester. Est-ce qu'il y a l'opercule? Je sais, ça, par contre, j'ai pas regardé si c'était operculé ou pas. J'ai l'impression. Ah, vous voyez, c'est ça avec les petites tirettes là. Oh là, pardon, oh la vache, ça sent bien le coconut. Enfin, la coconut, donc nickel. Ça aussi, voilà, tester. Voilà. Et ensuite, pour finir, alors j'ai trouvé, donc ça c'est une crème. Et ça c'est stimule la microcirculation de l'épiderme, nourrit et oxygène la peau pour nettoyer la peau en profondeur et arborer un teint frais et rayonnant. Ils ne disent pas réellement. Ah si, Intense Face Peeling. Donc ça se présente comme ceci. Donc un tube de 100 ml. Surtout que j'ai rien pour essuyer, quoi. En tout cas, ça sent super bon. Bon, attendez. Il faut qu'il aille au lavage. Donc voilà. Hein, on dira que. Ouais, non, mais les graines sont relativement grosses, c'est bien. Voilà. Non, mais je fais comme Céline. Je me suis un peu n'importe où. Donc voilà. Donc c'est de la marque Botarin. Je ne connaissais pas cette marque. Hein. Elle a l'air pas mal. Je trouve que ça a l'air assez classieux quand on le voit comme ça. Et donc, j'ai pris la crème. Ah, pardon, je ne vous ai pas dit. Par contre, 1,50€ enfin, le peeling. Et donc, la crème, donc c'est une crème de jour, day cream. En 50 ml. Alors, vous avez le petit truc qui va avec. Hein. Et donc, j'ai trouvé ça super beau. Très classieux là aussi, donc toujours de la même marque Botarem. Et j'adore, franchement, packaging est super super beau. Donc là aussi, c'est avec un opercule comme ceci. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà pas mal, mais elle est magnifique, hein. Franchement, à poser sur la coiffeuse là aussi, elle est nickel. Mais écoutez, ce haul est terminé. Il a été relativement court là aussi, mais bon, voilà. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas à mes vidéos pour les suivre. Rassurez-vous, j'en mets quand même assez souvent.
Avec moi, ou enfin, rien qu'avec moi, ou sinon, des fois avec ma pépette. Hein. J'essaye de varier. N'hésitez pas à me donner des idées là aussi de vidéos que je pourrais faire, ou des tags, ou des. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. On est à plus de 940 abonnés, donc je ne ferai pas comme les autres fois pour mon concours. D'habitude, voilà, je lance le concours un peu avant et je clôture quand j'ai voilà, les 500, les 750 abonnés. Là, ça sera l'inverse. Je vais attendre d'avoir les 1000 abonnés et à partir de là, je lancerai donc mon concours des 1000 abonnés. Un petit peu de chemin, mais voilà, tout doucement, qui va doucement va loin, dans ce genre, je sais plus exactement le truc. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que voilà, je vous saoule pas trop à la fin de mes vidéos à chaque fois quand je vous déblatère tout ça. N'hésitez pas donc à venir me parler sur Facebook, sur Insta, par email, par carte. C'est avec plaisir que j'aime converser avec vous. Je vous remercie, mes fidèles abonnés, d'être là pour moi, de regarder mes vidéos, de commenter. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!